artistique, le cabaret d'improvisation de la troupe acting, avec aujourd'hui deux équipes qui vont s'affronter. Une équipe de talent, un applaudissement. C'est une concentrée de champagne. Oui, ça marche très bien.
30 ans avec une peinture anti-rouille et éviter les aéroports. Ça suffit, ça suffit. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, écoute-moi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. On s'accepte tel qu'on est. D'accord? Cette arme, ce bras, cette weapon, non. Eh bien, c'est un héritage de ton père. D'accord? Je sais que c'est lourd à porter comme héritage. Mais il faut que tu l'acceptes. Tu n'es tel que tu es. Et tu représentes toute ta famille, tous tes ancêtres de bras lourds. Oh, c'est incroyable. Oui. La passion presque son bras par une gifle. Oh, oh. Oh, je suis désolée, c'est la pilule. Ça fait faire un truc bizarre. Allez, oh, 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 bah, ok, ok, je comprends, je comprends, je comprends. Rouge ou jaune?
Pas 3 heures de retard comme d'habitude.
Votre attaque est annulée. Ah mais non. Ah mais non, non. Demandons-lui, à ton avis, est-ce qu'elle pourra prendre un autre train? À ton avis, est-ce qu'elle pourra prendre un autre avion? À ton avis, est-ce qu'elle pourra prendre la poudre d'escampette? À ton avis, est-ce qu'elle pourra prendre la tête à quelqu'un? À ton avis, est-ce qu'elle pourra prendre la chaussette de ma main et la faire parler sur sa main à toi? Oui. Alors tu vois là, tu m'énerves, ah voilà. Maintenant, tu vas me foutre la paix. Tu vas me laisser tranquille, voilà. J'ai montré un point où je reste au problème déjà, et c'est pas toi qui vas m'aider. Hein. Ah bah là non, je peux plus, j'ai plus mon informateur, non. C'est pas lourd. Encore une annonce. Suite à des pommes sur la voie, je vais me tarder de 3 heures encore. Mais pourquoi ils roulent pas dessus? Ça fait une bonne pote et puis oh là là, mais toutes ces pommes, mais je vais jamais pouvoir repartir, moi. C'est impossible de faire des trains. Hé, hey, vous là-bas, vous pouvez arrêter de manger les pommes que vous trouvez par terre? Et vous là-bas, vous pourrez arrêter de trouver les pommes que vous trouvez dans les arbres? Et vous là-bas, vous pourrez arrêter de manger les pommes que vous trouvez dans les airs? Les pommes que vous trouvez suspendues à des lampadaires? Oh monsieur! Et pommes! Ah, 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 heureusement que j'ai pas de pommes, j'ai pas tout bien passé. Ah. Mais non! Ça fait une semaine, le con! Mais c'est pas avec ta scarelle. Train numéro 4577, départ en 3 minutes. Train numéro 4578. On va partir, celui-là. Excusez-moi, vous aurez de la glace, s'il vous plaît. Non, on n'a pas trop le temps, là. On va se quitter. C'est 2700 pour une heure, monsieur. Ils partent tous dans le train. Et après des heures de voyage, les couples commençaient à se former. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un arracher des chaussettes comme vous. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un arracher des chaussettes comme ma mère. Quelqu'un arracher des chaussettes comme mon frère. Arracher des chaussettes comme ma soeur. Oh, contrôle d'étiquette, s'il vous plaît. Voilà. Merci, mais c'est une carte d'identité, ce n'est pas un ticket, mademoiselle. Oh, pardon. Mon ticket. Vous m'avez l'air bien tête en l'air, non? C'est le mien. Oui, c'est parfait. C'est parfait, merci monsieur. On fait comment du coup, monsieur? Ah, on fait comment? C'est à vous de me le dire, mademoiselle. Écoutez, vous êtes ajouté du train, quand même. Ah, ben pourquoi pas? Mademoiselle, je vous en prie. Cette jeune femme, c'est mon amour. Elle ne le sait pas encore. Oui, mais vous savez, à la SNCF, nous ne faisons guère des exceptions. Que des grèves, je sais. Oui, bien aussi, oui. Si vous voulez, je vous fais le billet tout de suite, mais. Oui, s'il vous plaît, avec plaisir. Je le ferai moi-même. Ma petite pommière. Oh, oh, mais c'est là. Bon, oh, voilà, monsieur dame. Merci. Oui. Le verrou trop vite. Partons vite. Partons vite. Attention, attention, caliente.
Chaud. Café chaud. Chaud. Café, oui. Attention. Chaud. C'est chaud. 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 Hola, Miguel. Comment est-ce? Tu m'as manqué, c'est tout. Voilà. Ça va? Je vais récupérer ce que j'ai perdu. Je dois te dire. Viens là, ma chichi. Viens, ma chouchoute. Viens là, ma chouchoute. Oh, elle est partie. Attention, café chaud. J'ai tout voulu lui dire, mais elle est partie tout de suite. Moi, j'ai du ça. Mais attention, qu'est-ce qui se passe là? Attention, vous, il fait chaud ici. Hydratez-vous. Buvez. Attention, chaud bouteille d'eau. Attention, chaud bouteille d'eau. Attention, esta es el topo de poder. Hola, attention, chiqui-chiqui-chiqui-cha. Qui va chez tes parents? Chez ton papa et ta maman ou chez mon papa et ma maman? Il fait chaud, attention. Attention, une tempête de feuilles va bientôt souffler, attention! Il fait bon, attendez, oui. Quelle tempête! Ah oui, nous pourrons dire à nos grands enfants, attention. Nous sommes rencontrés quand nous étions chauds. Tu vas être petit enfant, hein? Tu vas être grand-maman un jour, hein? Ou grand-père, on ne sait jamais, hein? Oui. Oui. Bah, chez tes parents, là, oui. Oh, chez moi, chez mes parents. Attention, papa, maman, on arrive. Attention. Je laisse mon job de café. Il fait chaud, ils se serviront. Mon fils, attention, cette jeune fille n'a pas l'air fréquentable. Ah, tu dois dire oui, il n'y a pas de souci. Tu dis oui et puis c'est tout. Tout mon empire, tout ce que j'ai, ce que mes parents ont filé,
J'ai plus rien. J'ai plus rien. Et maintenant, j'ai quoi? Il me reste plus qu'un soldat. Dette? Oh ben oui. Qu'est-ce qui te reste? Le soldat dette. Oh ben oui. Regardez sa tête, le soldat dette. Si c'est pour qu'il sourit, la soldat dette. Tu vas voir, c'est l'heure de le récupérer, c'est ça. T'as vraiment plus rien? Tu m'as compris. Mais ça, c'est quoi? T'entends? Oh, quel bel étalon! Merde! Va-t'en et reviens dans deux jours. Je serai m'en occuper. Bien parce que je suis gentil. Salut, bel étalon. Quel est ton nom? Mais comment ça s'écrit? Parce que moi, je... Abou. Ah oui, donc il y a deux P. D'accord. Ah ok, d'accord. Mon bel étalon. Bel étalon. Sais-tu courir? Oui. Oui, j'ai un peu mal au dos, bel étalon. Oh, deux jours plus tard. Moi j'avais tant d'espoir sur ce cheval de... Ah bah et moi non. Mais j'ai pas pu sortir de son dos dans deux jours. Écoute-moi, Dette. Une dernière fois. La femme du général décide de demander le divorce. Quoi, c'est connerie? Oh, Dégoïa, tu es là. Malencontreusement, tu sais comment, quand on va avec les copains à Deauville et tout, on s'amuse. Oui, je sais, mais moi, je voulais aller faire du shopping et je ne peux pas, je... Mais non, parce qu'il n'y a plus un radis, ma chérie. Oui, c'est bien ça le problème. Oui, c'est... Du coup, mais tu m'aimes quand même. Oui, mais je veux pas un radis, quoi? Bah, je crois pas que je peux garder un train de vie aussi médiocre que ça, quand même. Mais l'amour, hein, tout ça. L'amour est un peu moins important que l'argent. Je suis désolée. Ok, désolée. Mais on reste amis quand même. Oui, bah ouais, bah super, merci. Je prends la petite baraque. Je prends les gosses. Puis je vais tout seul avec ma dette. Oh, dette, je t'entends. Là. Je serai toujours là. Fais attention à mon dos, même si la dette est là. Dette, je crois que je n'ai plus l'espoir, du coup je vais m'abandonner. Tu peux vendre tes arcanes? Je ne peux plus rien. Je me sens libéré, d'accord. Je flotte, Dette. Je flotte. Merci! Tu me demandes si c'est pas dans ces chaussettes là quelque part.
T'as mis de la farine dans des chaussettes. Ouais, ensuite on les a pressées au-dessus du café et... On en fait tout un empire maintenant. Et les feux de la coke commencent à prendre. Oh. Et on les vend à tout le monde et aux passants. Ouais, ouais, et regardez, voilà, Allez, j'en ai plus! Oui, d'accord, on va aller. On va aller pour mon dealer, ok? Oui, oui, et, tout de suite! Et il aura ce qu'il faut, d'accord? Ah! Donne-moi plus! D'accord. Une heure plus tard, devant le dealer. Allez, ouais! Non, 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 ouais! Regarde, ouais, je m'en fous! C'est mon dealer! Alors. Donc, je me suis reconverti en dealer! Ah, ma femme! Ma femme, je suis là! Ah, je le savais dans ces chaussettes! De couple, de couple. Écoute. D'abord, tu as posé l'addition. Ensuite, j'en ai fait un empire. Et maintenant, regarde-toi. Mais je vais très bien. As-tu? Oui, oui. Ce sont nos enfants. Alors, pétante, c'est ça va? Ah merde, sur les coches. Merde, sur les coches. D'ailleurs, oui, bonne réponse. Ils sont à l'école, oui. Il va falloir qu'on aille chercher. Oui, oui. Et qu'on leur donne un peu de ce jus de chaussette. Oh ah, si, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Mais quels parents sommes-nous? Quels parents? Merci. Ow!
sont mes activités. Là, il a dit jaune. Jaune, point pour le jaune. Après les zombies, c'est mon jeu limité. La contrainte, c'est tout le monde doit jouer. Tu mets de l'impro 3 minutes 30. Le thème, c'est le temps. Et dans ce monde de caucus. Next. Eh oui, cher public, c'est la dernière impro. Que le messager dont il est le tuer. C'est parti, il est sur scène. Candice Lespet, que j'invite à venir sur scène.